Tutsi, Rwandais, idée na bango balkanisation. Oebi ponanine. Pourquoi? Na bandiko sosoli sa osiko banamboka balanda malam. Pourquoi balkanisation simba kite? Le fait que Raymond Tshibanda avait signé un accord na Rwanda. Accord Rwanda na kobengo accord à pistolet sur la tête. Je me rappelle que ancien président nigérien Aloba Kinaye, are you sure? Trois fois tout nié, monsieur Raymond Tshibanda. Tu es sûr de ce que tu veux signer? Obasanjo. Obasanjo, ancien président Nigeria. Oloseguno Obasanjo. A tout nié, tu es sûr na makambo ngosala. Monsieur Tshibanda, azala kina chouate. C'est-à-dire, ça va battre mon doux qui n'a mutu, bah, bisous qu'on signette, vous au coup. Ça, c'est un autre détail, ou peut-être pas dans le bouc à N'accord, Rwanda. Bon, moi, j'en repends un partout, ils ont pèsé, n'accord, Rwanda, Kabila a signé à qui fait. Ils ont pèsé, bah, Rwandais, tout y. Doua, y'a qu'on contrôle renseignement, n'a bisous. Bah, ça va poser, t'y n'a niveau à présidence, n'a primature, n'a assemblée nationale. C'est comme ça que nous avons été infiltrés. Vous vous rappellerez, le président de la République à Tounaki, Kagame, lors d'une réunion, qui a amené RCD, qui a amené M23, qui est venu avec l'AFDL? Ce n'était pas de Rwandais tout. Est-ce que cela n'était pas suffisant? Il y a des gens qui ont été beaucoup. Il y a des gens qui ont été DGDA, ce sont les Rwandais. Il y a des gens qui ont été DGI. Demia Bango, la police. Bonjour national. Bonjour mon frère. Mon nom est Mboka, au Bénin, c'est la Congolais Télévision, plus de 150 000 followers, bah, scotché, branché. Et on a dit que le monde est est-ce que vous avez présenté bien pour le partout dans le monde entier? Comme on a dit, Paul Changachitea. On a dit que le Kambi a eu de peste dans la fédération extérieure. C'est-à-dire que la fédération en Cameroun. Actuellement, on a dit que le Kambi a eu de peste dans la fédération extérieure. Pays, les cinq pays choisis pour voter, Zaliawa et Nazali Nakati Yabiro, il y a relations extérieures, il y a eu deux pèses. Oye Kambami na National Tibouï, Nazan a pris na Kati Yabiro naé, présentement comme Nazan on a Kishasa. Donc voilà, tout ça on a pour accompagner Mokonzambo Kanaka Vision naé, surtout dans le deuxième mandat Oye. Merci beaucoup, Mme Boka. Vous allez m'occuper de la diaspora. Voilà. La République de Bokati du Congo, Libanda. Exact. Bonne bonne santé politique, Mme Boka. Et vous avez dit, Mme Boka, actuellement. Actualité, il y a. Non, ben... santé politique. Est-ce que la santé politique est là où vous avez actuellement? Mme Boka, santé politique, à part agression rwandaise dans l'Est, dont le chef d'État a sali partout les moyens pour nous aussi, Sango. Dans la diaspora, il y a des manifestants qui m'ont cassé. Marche à mon nez, salamaki, nabana, naba mama, naba bébé, babimaki, pour la côte, il y a des gens qui m'ont cassé. Il y a des Congolais qui m'ont cassé. Voilà. Mais mon amour, quand vous dites que l'agression rwandaise, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Le Congolais se plaint beaucoup toujours d'agression rwandaise. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, dans le Kanisa, tous ont un an ou moins sima pour nakosunga bande ko bazola ndabiso. Histoire en boka ndabiso est un peu complexe et tous ont un moi makambu mingi bande ko bayebite. Alors tous ont un an ou moins sima moke pour être histoire en boka ndabiso bato mingi il faut bayeba yango. OK. Le Congo RDC tel que les ala qui tracé dans les gens qui ont tracé, ils ont tracé, ils ont tracé. Et ils ne jamais balkanisé, découpé en morceaux.
parce que ça m'a bongisi en Zambe. Tango basali ango bazobi keza état moko souverain muto ko contrôler ango yemoko azate. Na bayo bayaki ko coloniser biso. Bambule leki na kanti Lumumba alobela ke lokwana. Premier ministre de Rissbe moi Patrice Emery Lumumba. Abundela ke lokwana batwa comprendre kite. Mobutu peta ngwaye. Na époque na lokwana salama ki penza te pambate bandeko oyo bauta ki Rwanda na époque a génocide bakota ki bazaki facilitation na kata mboka na biso. Et belé obino boyebi bozo mona lelo ba rubewa banani bozo mona ana. Mingi batanga na ba université na biso aloko ba tuti Rwanda. Oh mwana mboka tikolo ba mama boye. Kasi nazo lo ba makamu nazo ba clair est-ce que na marché mona konanga? Mais quand se ba imboka te mona mboka? Te ndeko. Te batanga na mboko aloko ba tuti Rwanda. OK. Ba umeli tangu kabila ye kabila le père a ye. Na aide ba Rwanda na ndenge ba kota ko to benga mboko ba kadogo et consort. Bilongi wana lokole vandaka na Kishasa et maîtrisaka Congo bien. Bazaki na kabila le père. Tango kabila le père azu kozotsa kozongisa bango ndenge papa et tena yebisaka e futa bango facture na bango bazonga. Okay. Mais malheureusement de reste mémoire vous êtes Laurent Désiré Kabila a comprena ki makambu le Sphinx docteur Etienne Tshisekedi du Amunumba a expliqué qui était. Parce que mona ki en avance que bato ba kokome na biso problème. Ka cela ne tienne le pays a continué à voler ti ayo kokufa dozu lelo auto bien na komba Joseph Kabila kamba biso pendant des années. Oh oui, fils biologique ya mona mboka Laurent. Na lingi kokota ba détail wana te parce qu'on est à un autre débat. Ah, débat ndenge ni mona mboka. Mais na lingi to lobela mingi mingi question yo poser. Pour être mboka et ça informé. Mais mon boss n'a vu fils idéologique et mon mboka Laurent Désiré Kabila ça il est. Et wana exemple débat mususu na ina loba a wana zo développer ma kambitali infiltration. Pour tout ni kendenge nini ma kambuya est et zo za la boye 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 voilà. Tant que komi sikoyo ke. Bazongi sabango guerre bandi neba RCD. Ba DRCP, Babilo Koto Boye Biwane Sanini, et Botamie Bele 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 Bele, dirigé par ce Rwandais Tutsi, Obayakina, Mouze Doran Désiré Kabila. De reste mémoire. Mboka et Bandi Kozoba problème. Ti Aeko Koufa, que Kozoba Joseph Kabila. Mais, Nako Kambao Joseph Kabila Kambagi Mbokoyo, Nzambe na bolingo Congo abosanisaki batuti Rwanda ide na bango balkanisation. Oyebi po na nini? Pourquoi? Na bandi ko sosolisa osiko bana mboka balanda malamu. Pourquoi balkanisation simbakite? Le fait que Raymond Tshibanda avait signé un accord na Rwanda. Accord wana na ko bengo accord à pistolet sur la tête. Je me rappelle que ancien président nigérien Aloba Kinaye, are you sure trois fois tout nié monsieur Raymond Tshibanda, tu es sûr de ce que tu veux signer? Obasanjo ancien président Nigeria Oluseguno Obasanjo a tout nié, tu es sûr na makambo lingo sala monsieur Tshibanda azalaki na choix te. C'est-à-dire ça quoi bacho mundu qui na mutu ba biso ko signeté bozo kufa. Ça c'est un autre détail ou peut-être pas na mboka ba yebaki. Na korwana. Bo mona ngo panzin partout ezo pesa na korwana Kabila a signé ki pe. Ezo pesa ba Rwanda touti. Doa ya ko contrôler renseignement na biso. Bazo ba poste ti na niveau ya présidence. Na primature na assemblée nationale. C'est comme ça que nous avons été infiltrés. Vous vous rappellerez, le président de la République à Tounaki, Kagame, lors d'une réunion, qui a amené RCD, qui a amené M23, qui est venu avec Abdel. Ce n'était pas de Rwandais tout. Est-ce que cela n'était pas suffisant? Il y a un autre qui a été en Mbokoyo.
Banani ba dirigeant qui DG DA, ce sont les Rwandais. Banani ba dirigeant DGI, bango, Demiap, bango, la police, bango, ce sont des Tutsis qui sont restés dans ce pays pendant près de 20 ans sous le régime Kabila. Telle en sorte que quand on a direction, on soit donné au-delà des frontières dans le pays, moko j'étais le nom. Oye moko Kabila qui n'est qu'inauguré. Osez comprendre. Osez comprendre, mon frère. Il y a un président qui fait ça, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour garder de bonnes relations avec ces gens-là? Aujourd'hui, quand le président Félix Tshisekedi est venu, encore FCC Cachemino, comme au monde, il va tout dire. Rwandais, le gouvernement, il va checker, il va calmer. Il va développer le Congo, il va changement, jusqu'à ce que, la sagesse, on s'en va pas si son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déboulonné à Kibango. Déboulonnement et salami. Ils ont infiltration dans l'armée, dans la police, à tous les niveaux. Cela veut dire que l'infiltration, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui date de longtemps, mais bah, quand on a une balkanisation, c'est pour Nanine. Parce que n'importe quel Kabila, Baba, non, on contrôle déjà tout le Congo. On voulait une partie du Congo, mais maintenant, tout ça dans le Congo, donc, inutile, il y a un procès de la balkanisation. Tant que tu es dans le pouvoir, il faut déboulonner le système. Ça a bougé. Et aujourd'hui, il a déboulonné le système. Coup de chapeau à son Excellence, président de la République, Azana soutien. Il y a peuple congolais mouvement na simanaï. Au moni tentative yo Roubert Amega ko sala ya Minembwe. Oza ki dévoilé na population ti na poto comment mboka moko zo comme commune ba Rwanda tout in États-Unis na Canada ti na Rwanda bazo fêter Minembwe. Ba passer Rwanda bazo prêcher Minembwe babi okoku fate ti okomona Minembwe oyo ya biso ya Rwanda oyo ndenge ko développer. Est-ce que Minembwe za la na Rwanda? Si tu me dis, son cousin va gagner Roubert Ouazaki congolais. Mais il était aussi premier vice-président de la République. Mais attendez, n'importe quoi. 1 plus 4, non? On avait accepté pour la paix. Mais c'est toujours, c'était un piège. C'est lui qui qu'est-ce qu'il coiffait? Au bout de 5 mois, il coiffait. Il était qui? À l'époque là, Roubert a géré quoi? Comme vice-président. On peut n'aimer mal au voyage. Donc je vais défense. Azoa qui poste mon côté très stratégique. Il y a moi permettant qu'il y ait infiltration. Il y a un officier rwandais. Il y a maté un officier qui a dit qu'il y a une info, qu'il y a une connaissance. Il y a un bombé qui a dit qu'il y a un poison. Les lois au moins dans mon café qui s'est réduit au pouvoir a déboulonné le système. A changé ma camp. A stoppé le flux au Ebanda qui a facilité. Rwanda a détruit le pays par ses infiltrés dans Mboko. Guerre aux Omonana, c'est parce que quand on dit que le président Félix a dit un monsieur, oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il a manipulé les gens qui ont été mis en place. Il a dit que moi, je suis le fils d'un lion est un lion. Le président Félix a un parcours et une histoire. Il a grandi au pied d'un maître. De l'art de la politique. De reste mémoire, le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Nous aussi, peut-être besoin d'une histoire, moi, qui est dans l'âge. Okay? Toi qui as commencé au temps de Mwana Mboka, Rwanda, quand le Rwanda s'entend à sa tête vis-à-vis de la République du Congo, qui est d'ailleurs Rwanda, Mwana Mboka? C'est ainsi que je voulais en venir pour que je commence à la question à Yohana. Il fallait tout renouveler le mandat tout le président Félix Tshisekedi, mandat sûr, très important pour la survie à Congo. Et je remercie tout le peuple congolais na soutien makasi na électorat na bango à l'égard de notre héros champion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence le président de la République. Et je félicite également l'informateur nouvellement nommé l'honorable Monsieur le secrétaire général Augustin Kabuya, Excellence, Monsieur l'informateur, na Moussala Sali à campagne, la chef de l'État, malgré les réalités, a travaillé à fond pour Tozoa, victoire Otozui, le Pen a majorité Otozanango, parce que Tobimi si va député Bélé, Koleka va partir Nyosoto. Donc, coup de chapeau naé. Alors, mandat Oyo, c'est très important pour la peine à S, malgré les prix.
C'est ainsi que vous allez constater que non, il y a un grand budget qui a été alloué dans l'armée, dans la FARDC, pour que les matos soient sengeli, pour accompagner les soldats dans la Bitumba. Mais seulement la guerre ici, c'est une guerre de Léviathan. Je peux donner le nom de Léviathan à cette guerre. C'est-à-dire quoi? C'est un monstre à plusieurs têtes. Mais, je vais dire. Mais les lots, peuple congolais comprend, il y a un constaté, de partout, de part et d'autre, même dans la province, contre l'agression rwandaise. Le chef d'État, dans sa bonne foi, a sali le voyage et belé, dans la sous-région. Pour nous, nous avons rejoint il y a l'Est. Oui, fait ses résultats. A qui n'a pas beaucoup de poto. A l'objet, il va investir sur Baya. Gagnant-gagnant, 50-50. Mais hélas, Batou, il va y avoir des gens qui ont investi de manière officielle, mais va préférer plutôt qu'on massacre le peuple congolais. Mais je veux vous dire ceci, que la balkanisation, l'action des gens qui sont derrière Kagame ne va jamais aboutir. Ne va jamais aboutir parce que le Congolais, le peuple congolais est derrière le président Félix Tshisekedi pour mettre fin à ces jeux. Nous savons que Tozo Bounda contre Kagame était pour Kagame en force pour combattre Bissot. Le fait est que le président de Pologne a lobby ouvertement. Si le Rwanda, en cas d'attaque de guerre contre le Rwanda, la Pologne est prête à soutenir le Rwanda. Nous sommes tous sans ignorer que Pologne, les acquisés, il y a autant. Et qui dit autant, dit les États-Unis, l'Union européenne et tout ce monde-là. Alors, nous déplorons l'hypocrisie de l'Union européenne ou de la communauté internationale. Et voire même de certains pays voisins qui nous entourent. Voilà pourquoi je vais revenir sur un extrait des discours de mon président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il était au Congo-Brazzaville, il a dit « Ça ne sert à rien de parler de tout ce qu'on parle en ce qui concerne la zone de libre-échange continental pour faciliter les échanges commerciaux et autres. » Il a dit devant ses homologues, ses collègues présidents, homologues, je veux dire, que tout ce qu'on peut faire et dire ici, ça ne sert à rien. Si le matin, on se salue, mais le soir, vous tournez, le soir, vous me poignardez au dos, on s'est dit frère en riant ici, mais par après, vous me poignardez au dos, ça ne sert à rien. Si on ne peut pas changer, pour que cette vision puisse avoir lieu, n'attendons pas comme on dit non, c'est l'Europe, c'est ceci. Ces gens profitent parce qu'ils savent que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Alors, si cela n'est pas le cas, je serai dans l'obligation, en lieu et place, de construire le pont. Je vais construire le mur pour mon pays, pour protéger mon peuple. L'agression rwandaise est soutenue par des multinationaux, par une main occulte. Qu'aujourd'hui les Congolais sont informés. Mais cette guerre, je veux rassurer au peuple congolais, l'engagement du chef de l'État, l'accompagnement de la population congolaise. Mais quand vous dites, président, quand vous dites le pays voisin, directement je vois aussi comme si vous attaquez directement Congo-Brazzaville. Je parlais des pays voisins, je n'ai pas cité le nom d'un pays. J'ai dit le pays voisin, en général. J'ai dit le pays voisin. Je n'ai pas spécifié le nom d'un pays. Restons sur la pensée politique de l'émission de cet après-midi. Et donc, au moins ici que l'engagement à chef d'État avait d'une seule voix pour faire face à l'agression rwandaise en RDC. Et je vais rassurer le peuple congolais que le chef d'État est déterminé à mettre fin à ce massacre. Ainsi,
le porte-parole du gouvernement, après le conseil des ministres, il a dit, même le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, ainsi que son Excellence, Jean-Pierre Bemba et son Excellence, Patrick Muyaya, ils ont répété la même chose en disant qu'il y a l'ordre, les recommandations qui ont été données à l'armée de récupérer tous les territoires occupés par l'armée rwandaise illégalement, qui sont en violation des droits internationaux, violation de respect des souverainetés des nations, selon la Convention de Genève et des principes qui régissent le droit international. Donc, la RDC et son peuple s'est levé pour se prendre en charge. Nous sommes plus de 5 millions, un petit pays comme le Rwanda ne peut pas nous influencer. La patrie ou la mort. Balkanisation aussi mbata mukolo mokote. Jamais. Kagame azala prepona échec écrasant. A continuer d'abord, Soudan est au commandant aussi, ça va on peut récupérer le territoire Nyos. Nyos, je dis bien. L'armée congolaise est à la hauteur. Même sans Sadek Toko Bunda. Même sans Monisco Toko Bunda. Parce que Sadek a eu des difficultés dernièrement pour attaquer par rapport à Bapel Moussou Bazouaki. Mais notre armée loyaliste, loyale, avec des soldats loyaux, Baza engagé pour mettre à terme cette guerre. Seulement, ba traître Nyon Sotou, et ça a infiltré Wana, et ça a traître dans la bande de Bazana Kati, Baza a servi de mèche, de relais entre l'ennemi. Dans ma position, Nabiso, sachez très bien que Tawane a déjà révolu parce que tout est mis en marche. Beaucoup de gens qui ont été en train de parce que j'ai Nabango et Cécile. Merci beaucoup, mon ambassadeur président. Toi, peut-être, on vous parlait de la MONUSCO. Parce que nous connaissons que le peuple congolais s'est révolté violemment contre l'installation de la MONUSCO. Est-ce que c'est ça un très bon chemin? Je pense que quand il y a MONUSCO, il y a un soutien. Dans le sens où, même dans le territoire où l'armée de l'agresseur rwandais, sous couvert à M23, Bazoko, la population est en train de se faire. La faille, défaillance, il y a mon histoire par rapport à comportement vis-à-vis du peuple congolais. Population parce qu'il y a viola qui barrière. Alors, aucune nation n'est pas acceptée que Bino Boye en appui pour la défendre. Mais bon, comme le peuple en a merci. Le peuple ne réclame que son droit. Bah, acte au peuple a posé, certes, tout ça encourageant côté. Mais il faut comprendre que quand quelqu'un a déjà ras-le-bol, sans que c'est lequel qui m'a dit ça y est, exaté. C'est ainsi que le chef d'État avait demandé à Monisco à remercier mon ami. Mandat na bino comme na souka na sepende bo bande déjà ko kende ndambu ndambu dernièrement tango na lors de présentation de vœux face aux ambassadeurs aux représentants des différentes institutions et différentes organisations internationales à remercier bango pour évoquer question à revenir sur le fait que ndambu abato monisco va commencer ni va comme zonga et le Congo va se prendre en charge. Nous avons une armée qui est consciente aujourd'hui, excepté quelques traîtres au déjà bazo, excepté bango, bazo le mula bango, bah réforme PO, mokonzazo sala, pour avoir ça la soussou et pour rendre armée la mission forte. Bozala la kimia. Les Rwandais que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais dans l'Est, qu'au perturbé Est. Je vais dire à mes confrères, mes frères et sœurs, que la RDC, peut-être ça exagération de mes vérités, la RDC est un pays paradis terrestre, un pays solution. Sans la RDC, les États-Unis, l'Union européenne, tous ces pays que vous connaissez ne peuvent pas être ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont, ces puissances-là, à cause du sous-sol de la RDC. Un petit exemple, Hiroshima, les États-Unis, victoire. La Deuxième Guerre mondiale,
Iranium enrichwana bazwa ki on a RDC. Hiroshima Nagasaki. Iranium enrichiwana ezala kaka na RDC. Il y a tant d'autres choses. Oh bah, bataille. Il y a qui va contrôler le monde sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur beaucoup de plans. Et pour contrôler là, il faut avoir comme premier et grand partenaire la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président de la République a dit venez investir de manière officielle, telle manière que vous, vous gagnez, nous aussi nous gagnons. C'est-à-dire que nous avons gagné, nous avons gagné 50-50. Mais Bolingo en côté. Bolingo en côté de manière frauduleuse. Et qu'on s'imbatte. Congolais qu'on défend le territoire. Naï. Et plutôt qu'on ramène Bango sur la table. Gagnant-gagnant. Ça, je vous l'ai dit, mon frère. Mandat au président Félix. Vous allez voir les investisseurs défiler ici. Et voir même supplier le président Félix de pouvoir investir ici. Merci beaucoup, président. Nous sommes presque à la fin. Mais je suis retenu pour aller là. Nazo Senga peuple Azala derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peuple a la sortie, il y a un nouveau gouvernement. Gouvernement de solution, gouvernement de tout, où le chef d'État aura un œil sévère ou un regard sévère sur tout ce qui va commencer à se passer dans son gouvernement. Et pour ce faire, le chef a besoin de nouveaux visages, de nouvelles personnes. Animateur, au bas, mais ma vision est chef de l'État. Il y a encore de jeunes qui peuvent accompagner le chef de l'État. Et le chef a compris ça. Alors, il y a un temps, on a fait campagne. Batata, botique la place, Nabilengue. Et moi-même, au niveau Assemblée nationale, changement ça ma casse. Dans le gouvernement, changement aux amakas. Ainsi de suite, ça va s'en suivre. Même la diplomatie, à tous les niveaux, le chef va faire des grands changements. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'ambassade de M. Moussoussou, il y a des gens au Basiba, où ils vont continuer aux amakas, mais ils ont une vision, il y a un ancien régime. Et nos confrères de la diaspora se plaignent nuit et jour. Le chef est là, il est à l'écoute. Unifier le pays. Dans l'unité, nous allons travailler bien. Dans la paix et la prospérité. Alors, je demande au peuple congolais que nous sommes de tous accompagner le chef d'État dans ce deuxième mandat. Quoi que sa vision n'aie, la majorité n'aie, mais la ministre n'aie. Oh, ceux qui appellent ordre, tout le monde sur le terrain, changement. Le mélange et Bélan est compliqué, mandat chef d'État Makas. Car la plupart, partage à gâteau. Ce n'est pas le moment de partager gâteau, c'est le moment de travailler pour relever le Congo. Afin que le peuple congolais se sente fier de lui et de son président, ainsi que de ses animateurs à tous les niveaux des institutions. Je vous remercie. Merci.